présent pour ce petit webinaire de présentation de la bibliothèque numérique Sondo. Donc, vous en doutez, Sondo est disponible dans le catalogue de la région Île-de-France via la librairie EMLS. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble, de vous en parler plus en détail. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'arrêter. Et sinon, je vais commencer par vous expliquer un petit peu le contenu de la ressource et je vous ferai une petite démo par la suite. Donc, je suis Faustine Tillard, je suis responsable du développement chez Mobidis et donc l'éditeur qui publie Sondo. Donc, Sondo, c'est une ressource qui a pour objectif de faire lire tous les élèves. Tout simplement. Notre mission, c'est vraiment de donner aux enseignants les moyens de faire lire des livres à tous leurs élèves, en particulier aux élèves en difficulté de lecture. Donc ça signifie évidemment les élèves 10, les élèves allophones, les élèves qui ont un peu plus de difficultés, etc. Pour ça, on a, je reviens sur cette question, ces élèves-là représentent quand même plus de 20% de la population, puisqu'aujourd'hui, il y a 20% des jeunes de 18 ans qui sont considérés comme des lecteurs non efficaces. Ça, c'est les chiffres issus de la journée d'appel à la défense et des études qui sont faites à ce moment-là. Donc, on ne parle pas vraiment d'une toute petite minorité, même si c'était une minorité, ce serait quand même important. Mais là, en l'occurrence, on parle de plus de 20% de la population. Donc on a vraiment envie de vous aider, enseignants, à leur permettre d'accéder au contenu littéraire prescrit. Pour ça, on propose une bibliothèque numérique qui s'appelle donc Sondo. Regroupe environ 250 titres à ce jour, après qui s'enrichit chaque mois de nouveaux titres. Donc, elle regroupe 250 titres de littérature, donc littérature jeunesse, classique, contemporaine, vraiment les titres prescrits par les enseignants, que ce soit les enseignants de lettres, donc on va avoir les titres du bac notamment, de la sélection du bac de français, que ce soit en lycée pro ou en lycée général. Donc c'est une bibliothèque multi-éditeur. Ce qu'on fait, c'est vraiment aller chercher les titres que vous pouvez utiliser au quotidien dans vos classes. De même pour les professeurs documentalistes, tout ce que vous pouvez prescrire aussi en littérature un petit peu plus plaisir ou loisir en tout cas, peut se retrouver dans son dos. Donc on n'est pas sur une bibliothèque avec 100 000 titres, mais vraiment les titres qui ont leur place dans vos établissements et que vous nous avez demandé. Quand je dis vous, c'est vous les enseignants au sens large. La particularité des titres présents dans Sondo, c'est qu'ils vont tous venir avec des outils d'aide à la lecture, donc ils sont tous personnalisables en fonction des besoins du lecteur. Donc ce que l'élève va pouvoir faire, c'est vraiment les adapter en fonction de ses besoins, donc aider au déchiffrage, à la compréhension, etc. Tous les titres sont vraiment personnalisables, pas à l'infini, mais en tout cas de manière à ce que chaque élève se sente plus à l'aise avec le texte. Et chaque livre intègre également un soutien audio. Donc, on est vraiment sur de la narration voix humaine. Voilà. Hop. Donc les outils, on peut les classer si on veut. En gros, on a des aides au déchiffrage, donc quand le chiffrage n'est pas encore automatisé, notamment pour les élèves 10 par exemple, ou les élèves allophones, etc., qui ne sont pas encore complètement à l'aise avec la langue. On va avoir des choses comme la coloration syllabique, des choses comme ça qui vont permettre de déchiffrer plus facilement et d'y aller petit à petit. On va avoir des aides à l'attention, donc un interlignage de couleurs différentes, des petites réglettes de lecture, enfin pas mal de choses. Et puis des aides à la compréhension, donc ça va être tout ce qui est vocabulaire. Je reviendrai sur tous ces outils après au moment de la démo.
mais donc tout ce qui est vocabulaire, pronoms implicites, etc., qui vont être identifiés comme complexes et donc reformulés toujours dans le contexte. Donc tout ça va permettre vraiment de faciliter la compréhension. Et bien sûr, l'audio dont je parlais juste avant permet évidemment d'accéder plus facilement au texte parce qu'on peut lire avec ses oreilles. L'intérêt, c'est quand même d'accéder au contenu de l'œuvre en priorité. Je n'ai pas précisé, mais vous m'arrêtez si vous avez des questions entre-temps. N'hésitez pas, soit j'y répondrai au fur et à mesure, soit tout à la fin, mais n'hésitez pas à les poser. Sinon, aujourd'hui, Sondo, c'est vraiment une ressource qui est largement plébiscitée. On l'a lancée en 2019, on va dire 2020, si on enlève le Covid. Et aujourd'hui, elle est présente dans beaucoup d'établissements en France. C'est une ressource qui va du CP à la terminale. Et donc, on a un peu plus de 250 élèves abonnés à ce jour et en Île-de-France. Donc, ça fait donc un an et demi qu'on est présent dans le catalogue de ressources de la région et on a déjà plus de 70 lycées abonnés. Autant de lycées professionnels que de lycées généraux. Donc, ça répond vraiment à des besoins assez larges en termes de profil d'élèves. Et sinon, en termes de partenariat, on travaille avec plus de 70 maisons, 60 maisons d'édition. Donc, ça va être vraiment les éditeurs traditionnels hein, du livre de poche jeunesse, en passant par Rajo, Nathan, etc. Vous pouvez retrouver les titres auxquels vous êtes habitués directement dans son dos. En termes pratiques, ces livres sont vraiment accessibles en illimité, en classe comme à la maison. Donc, sans, voilà, sans limite de connexion, ils sont tous accessibles directement. Enfin, son dos est accessible directement depuis le ND, comme la plupart des ressources. Petit retour des enseignants. Aujourd'hui, on a donc chaque année, on fait appel à un cabinet indépendant pour réaliser des mesures d'impact. Et on a 70% des enseignants sondés qui estiment que Sondo aide les élèves. Donc c'est plutôt rassurant. Et puis surtout que ça permet de gagner en autonomie, de diminuer les freins à la compréhension dans les textes. Et puis, ça facilite la différenciation pédagogique également. Enfin, je vous ai mis un petit exemple, une petite interview qui a été réalisée par Ludomag dans un des établissements parisiens, des lycées parisiens abonnés à Sondo. Donc, il y a une interview d'une enseignante de lettres qui revient avec ses collègues documentalistes sur ses usages de Sondo auprès des élèves et est-ce que ça apporte notamment sur bah voilà, la facilité d'accès à la fois aux œuvres et puis au contenu des œuvres. Voilà dans les grandes lignes. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous montrer concrètement à quoi ressemble son dos sur la ressource. Hop. Donc là, je suis sur le site Sondo. Évidemment, les élèves d'Île-de-France y accède directement via l'ENT, via mon lycée. Moi, ici, je me connecte de manière individuelle avec un autre compte et je vais pouvoir accéder directement à ma bibliothèque de titres. Donc là, on a une partie bibliothèque qui permet aux enseignants d'éditorialiser le catalogue, c'est-à-dire que chaque enseignant va pouvoir créer ses propres petites étagères thématiques ici. Pour les attribuer à des élèves, à des groupes d'élèves, donc ça peut être des classes ou des groupes de niveau, peu importe, en fonction de la thématique. Là, on a une sélection automne-hiver, ça peut être les titres du bac, les incontournables du lycée, enfin bon, toutes les thématiques qui vous intéressent, vous pouvez les créer et les attribuer à vos élèves. Donc ça permet vraiment l'objectif, c'est d'éditorialiser le catalogue et de permettre de faire ressortir les titres que vous souhaitez prescrire. À côté de ça, on a des catégories. Donc, on va avoir les titres du bac,
littérature contemporaine, lecture courte. Dans lecture courte, on va proposer des titres en FLE, par exemple, ou des titres pour les, enfin, avec des textes un petit peu plus courts pour les élèves les plus en difficulté. Ça vient répondre à tout ce qui était demande sur les classes UPE 2A, etc. Il y avait plus de difficultés d'accès aux titres les plus longs et les plus complexes. Après, on va avoir des romans, du théâtre, enfin voilà, tout ce que vous pouvez retrouver, vous, dans vos prescriptions habituelles, eh ben, vous les avez ici. Si je vais sur Sondo, je retrouve tous les titres présents au catalogue. Donc, vous voyez qu'il y a un bon mix. Et puis après, pour les ouvrir, c'est très simple, il suffit de cliquer dessus. Donc là, j'ai choisi Petit pays pour rester dans la continuité de ce que je vous montrais juste avant. Et on va avoir. Hop, j'ai un petit bug. Voilà. Et je vais accéder au texte tel qu'il est dans sa version papier. Donc là, j'accélère un petit peu. On va commencer ici. Donc là, je suis sur une page voilà, telle qu'elle est dans sa version papier. Je précise que nous, on ne modifie pas une seule virgule du texte. Ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer de le rendre le plus accessible possible avec les différents outils. Donc là, j'ai une petite patte, une patte de grenouille, parce que la technologie qu'on a développée s'appelle le format Frog, qui me permet d'adapter le texte en fonction de mes besoins. Donc là, juste en cliquant dessus, ça garde en mémoire certains éléments que j'avais déjà activés. Donc, je peux les retirer complètement. Dans ce cas, j'ai un livre numérique tel que, enfin, assez classique. Donc si un élève n'a pas de difficulté de lecture, il peut tout à fait lire de cette façon et accéder simplement au contenu du texte. Et après, je vais pouvoir, une fois que j'ai cliqué sur cette petite patte, je vais pouvoir accéder à ma petite palette d'outils d'aide à la lecture et activer ce qui m'intéresse en tant qu'élève. Vous, en tant qu'enseignant, vous n'avez pas besoin d'être derrière l'élève à lui dire il faut que tu fasses ça, 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 parce que tu as tel trouble 10 ou telle problématique. Le plus simple, c'est de mettre le livre entre les mains de l'élève. Juste de lui montrer où se trouve son dos sur l'ENT. Et puis après, il pourra très simplement tester ce qui va faciliter ou pas sa lecture. Donc, je parlais des différentes catégories d'aide. Si on veut aider au déchiffrage, on va avoir par exemple la possibilité de changer la police. Je vais aller sur une page où ce n'est pas en italique. Voilà. Donc là, oui, je viens de vous montrer, on a l'accès au sommaire qui permet d'accéder aux différents chapitres, aux différentes pages. Et ici, donc, je vais avoir toujours mon petit menu que je vais pouvoir utiliser pour adapter le texte. Donc là, je peux changer la police, on en propose trois. Il y a Times qui est la plus classique, mais qui est pas recommandé pour les 10 ou pour les élèves un peu plus en difficulté, tout simplement parce qu'il y a des empattements, donc ce qu'on appelle les sérifs, qui rendent le déchiffrage un peu plus complexe, mais comme elle était très présente et qu'on s'adresse à tous les élèves, on voulait aussi la proposer. Après, pour les élèves 10 ou en grosse difficulté, on va proposer plutôt du Arial ou éventuellement Open Dyslexique. Donc ça, chaque élève va pouvoir vraiment tester et voir ce qui facilite sa lecture ou pas. Ensuite, on va pouvoir activer la coloration syllabique, donc avec en gris les lettres muettes, ou éventuellement juste les lettres muettes. On va pouvoir aider au déchiffrage avec des choses comme le masque de lecture. Ici, on se concentre uniquement sur le texte qu'on a à lire, on ne pense pas au reste. Et puis, du coup, ça sert un peu à dédramatiser le texte. Et quand on a un gros bloc de texte, quelque chose d'assez compact qui peut être un peu effrayant pour certains élèves, eh ben, on va pouvoir se concentrer vraiment sur ce qu'on a besoin de lire. De la même façon, on va pouvoir avoir un interlignage de lecture de couleurs différentes ou un découpage en unités de sens.
Je ne l'ai pas précisé, mais la plupart des outils respectent ce que les orthophonistes appellent des RES. Donc, c'est vraiment les unités de sens. C'est-à-dire que pour un lecteur en difficulté, qui ne va pas pouvoir lire une phrase dans son intégralité parce qu'elle est trop longue, trop complexe, on a fait des pauses. On a déjà prédécoupé le texte pour que chaque pause, chaque bloc soit cohérent dans son unité. Ce qui signifie que l'élève va comprendre ce qu'il lit au fur et à mesure, même si c'est haché. Alors que s'il fait des pauses au mauvais endroit, et ben du coup, il aura beau avoir peut-être déchiffré l'intégralité du texte, il ne retiendra rien puisqu'il n'aura pas fait, il n'aura pas intégré ce qu'il a lu. Donc, on retrouve ce découpage en unités de sens ici et à nos nombres. On va aussi proposer, je le disais tout à l'heure, un dictionnaire. Donc là, par exemple, apprêter. Apprêter, préparer. Remettre le son. Apprêter, préparer. Quand je dis dictionnaire, on n'est pas sur de longues définitions, etc. On n'est pas sur l'intégralité des mots. On a vraiment des préparateurs de texte qui ont identifié les mots les plus complexes et qui les ont reformulés toujours dans le contexte. Donc on va pas avoir l'idée, c'est pas de surcharger le texte, mais c'est vraiment d'identifier les mots les plus complexes ou les expressions, etc. J'étais tombé dans le panneau. Je suis allé m'asseoir sur la barza. Pardon. Voilà. Et là, c'est pareil en rouge. Donc en jaune, c'est le vocabulaire. Et en rouge, ça va être tout ce qui est pronom implicite. Donc là, le L apostrophe. On en a parlé il y a un petit moment. On ne sait plus à quoi ça fait référence. On explique qu'il avait imité la voix de mon père. Donc c'était à la voix de mon père que ça fait référence. De même, on va avoir certains il. Ça fait référence au perroquet dont on parlait plusieurs paragraphes plus tôt. C'est pas sur tous les pronoms parce que sinon on s'en sort pas, mais c'est vraiment sur les plus complexes à lever parce que bah, ça remonte à il y a plusieurs paragraphes, etc. Ou que c'est une autre façon de nommer la personne, etc. Donc en rouge, tout ce qui est pronom implicite, et en jaune, tout ce qui est vocabulaire. Et puis bien sûr, on va pouvoir avoir l'audio. Je suis allé m'asseoir sur la barza, la terrasse en face de sa cage. Il mangeait ses arachides en les tenant solidement dans ses serres. Et on va pouvoir Avec son bec réguler. crochu, il broyait la coque pour en tirer les graines. Il m'a regardé un instant, sa pupille noire dans son œil jaune. Donc là, vous avez vu, j'ai réglé la vitesse de lecture. Donc j'ai baissé la vitesse de lecture pour, si je lis plus lentement, pouvoir lire en même temps. Vous voyez qu'on a toujours le défilement en même temps, donc un peu comme un karaoké, qui permet vraiment même si on écoute, de garder un lien avec le texte et d'intégrer plus facilement ce qu'on peut lire. Et de la même façon, bah, on peut zoomer ici. Pour adapter la taille du texte. Voilà, et ici on va avoir une petite réglette de lecture dont je parlais tout à l'heure. Pardon. Et ici un mode contraste inversé qui permet de lire en plutôt sur fond noir. Ça, c'est évidemment plus efficace sur tablette quand on a l'intégralité de l'écran qui est noir sur tablette ou smartphone. Donc voilà dans les grandes lignes. Le menu, je peux le baisser ici très simplement avec la petite flèche. Et puis après, une fois que les réglages sont faits, j'ai juste à tourner la page et puis à poursuivre ma lecture. J'ai plus besoin de m'en occuper. En termes plus pratiques, donc, je le disais tout à l'heure, son dossier est accessible directement via l'ENT. C'est également une application qui permet d'y accéder, enfin d'accéder aux livres hors ligne. Donc, il faut le Wi-Fi au moment de la première connexion pour télécharger les livres qu'on veut lire. Et puis après, une fois que les titres sont téléchargés, on peut y accéder vraiment hors ligne sans difficulté.
Sinon, bah, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un accès en illimité, en classe comme à la maison. Il n'y a pas de, il n'y a pas de limite de connexion simultanée, etc. C'est vraiment tout en accès bah, continu. En termes d'abonnement, donc c'est un système d'abonnement annuel. Vous pouvez vous abonner dès maintenant. Ça courra jusqu'à la date anniversaire l'année prochaine. Et puis après, vous n'aurez plus qu'à... Vous pourrez retomber sur mon année scolaire avec juste les 2-3 prochains mois, enfin, derniers mois de l'année... l'année suivante, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait vous abonner en cours d'année. Je sais qu'il y en a pas mal qui font en ce moment, justement, pour tout ce qui est préparation du bac de français, puisque les titres sont disponibles. Et sinon, c'est vraiment un accès pour tous les élèves de l'établissement. Donc, c'est pas seulement pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, etc. Nous, c'est ceux qu'on cible en priorité parce qu'on sait que c'est ceux qui vont bénéficier le plus de l'aide des différents outils. Après, on s'adresse vraiment à tous les élèves, ce qui ne veut pas dire que tous les élèves vont lire sur son nom, évidemment, mais le fait que l'enseignant de lettres, par exemple, puisse proposer de lire tel ou tel livre, soit sur son dos, soit d'aller chercher au CDI, permet à l'élève, en tout cas, de choisir ce qui lui convient le plus en termes de support. Donc, c'est vraiment ce qu'on encourage. Après, en termes de médiation, on propose pas mal de choses qui sont directement incluses dans son dos. Donc, par exemple, des défis lecture auxquels vous pouvez participer avec soit des classes entières, soit juste des groupes d'élèves qui viendraient au CDI, etc. On va avoir des activités qui sont disponibles dans certains titres. Donc souvent, ça va être les fiches pédagogiques des éditeurs qu'on intègre au titre et puis que vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez décider d'attribuer ou pas à des élèves. Donc là aussi, par classe ou par élève en individuel. Et puis après, les élèves... Alors là, c'est la petite nouveauté qui vient d'arriver. Hop, les élèves peuvent suivre leur parcours de lecture. Donc là, on voit que aujourd'hui j'ai lu 10 minutes, viens de lire 10 minutes ensemble. Et on voit que ça fait plusieurs jours que je n'avais pas lu sur son dos. Donc là, je vois ma progression, je vois que j'avais pas lu la semaine dernière, donc c'est pas très bien. Mais en tout cas, je peux voir ma progression. L'objectif de ça, c'est plutôt de motiver les élèves à aller régulièrement lire des livres. L'objectif qu'on a mis, c'est 10 minutes par jour. Donc, ça peut être aussi des choses faites dans le cadre du quart d'heure de lecture, etc., si vous l'organisez dans vos établissements. Je sais que c'est plus rare au lycée, mais sait-on jamais. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment de motiver les élèves à voir combien de livres ils ont terminés, combien de pages lues, etc. On sait que depuis qu'on propose ça, donc ça fait seulement quelques semaines, on a des retours d'élèves qui vraiment retournent plus facilement sur son dos parce qu'ils ont envie d'avoir leur petite balise activée. Ça, notre objectif, c'est de le proposer aussi pour les enseignants, pour que, enfin, en tant qu'enseignant, vous y avez accès, mais seulement pour vous. L'objectif, c'est qu'il y ait un accès aussi au profil des élèves, en tout cas, au moins de manière globale, dès la rentrée prochaine. Donc ça, c'est en cours de développement, mais ça vous donne déjà un aperçu. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si je reviens... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sinon, si vous n'avez pas encore testé, je vous invite vraiment à tester sur le site de Sondo. Je vais vous mettre ça ici. Hop. Vous pouvez tester gratuitement, donc n'hésitez pas. Vous avez accès à l'intégralité du catalogue lycée pendant un mois, donc que ce soit... Pour vous, pour vos collègues, n'hésitez pas. On est aussi, nous, toute l'équipe chez Mobilis, disponible pour faire des présentations régulièrement, donc principalement en visio. Mais
N'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et puis, moi, je vous remets le lien du site ici. Et vous pourrez tester gratuitement. Donc, ça permet de se faire une idée et puis de voir à quoi ça ressemble, de voir aussi de consulter le catalogue pour voir si ça correspond au titre que vous avez, vous prescrit par les, enfin, que vos collègues peuvent prescrire aux élèves. Voilà, on n'aura jamais 100% des titres que vous pouvez prescrire, mais encore une fois, on est quand même très proche de ce qui est régulièrement prescrit par les enseignants de lettres et les documentalistes. C'est un catalogue qu'on a vraiment construit en collaboration avec des équipes pédagogiques. Comme je le disais tout à l'heure, qui s'enrichit hein, chaque mois de nouveaux titres. Donc c'est pareil, si vous voyez qu'il y en a qui a certains titres que vous utilisez vraiment souvent et qui ne seraient pas présents au catalogue, n'hésitez pas aussi à nous les demander. On ne peut pas garantir qu'ils seront présents demain au catalogue, mais si on peut aller les chercher auprès des éditeurs, on ira les chercher. Donc n'hésitez pas. Voilà, et ben, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets mes coordonnées aussi ici et je vous transmettrai la petite présentation que j'ai faite tout à l'heure, que j'ai diffusée pendant le webinaire. Donc, pour que vous puissiez avoir toutes les infos, vous avez mes coordonnées dessus aussi. Et puis voilà, je reste tout à fait disponible. Donc, n'hésitez pas, on peut aussi vous mettre en relation avec d'autres établissements abonnés. Comme je disais, on en a près de 70 là en Île-de-France qui sont abonnés cette année. Donc, a priori, il y a moyen d'avoir des retours d'utilisateurs un peu partout en Île-de-France, donc n'hésitez pas. Voilà, et ben merci beaucoup, et puis bon après-midi.